que vous allez bien. Allez, mercredi 20 août. Mercredi ou jeudi? Jeudi 20 août, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Enfin bref. Le deuxième jour de nos vacances. On a passé la nuit à l'hôtel. Hop. Juste derrière, après la journée avec la famille Gaïa d'hier, qui était mais franchement super sympa. On s'est bien amusé. Enfin, vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la... Regardez le vlog précédent. Voilà, c'est pas mal. Là, il est 10h-20. On finit, tout le monde a fini de prendre sa douche, on est en train de remballer les valises. Là, on va essayer de se trouver un petit par quelque chose pour aller déjeuner. Et direction puis en Velay. Voilà, on a passé une bonne nuit. Franchement, c'était voilà, tranquille, petit hôtel tranquille. Et puis là, il commence à faire déjà très chaud. Voilà. J'ai déjà eu des nouvelles de Papy Robert. Les bêtes vont bien, on est rassurés. Du coup, bah, c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, on a terminé du coup de charge. J'ai continué, mais j'ai du mal à parler, décidément, j'ai continué de charger les valises. Voilà, on avait vraiment une chambre classique. Soubidou est en train de regarder la télé parce qu'on est en train de finir. Ophélie est en train de finir de se brosser les dents juste derrière. Soubidou, en fin de compte, on avait une chambre de 5 personnes, franchement. Bonne surprise, parce que confortable. À mon cœur. Ouais. Franchement. Au début, on avait réservé cet hôtel-là parce que, à vrai dire, je parlais avec le responsable hier, en plus, quand je faisais chauffer le biberon du petit, bah, ils ont repris leur activité et tout. Et heureusement qu'on a réservé un peu à l'avance, enfin, façon de parler. Parce qu'en fin de compte, tout est complet. Heureusement qu'on a réservé. Voilà. Oui, heureusement qu'on a réservé, mais on a réservé peu de temps à l'avance. Et coup de chance parce que bah, ils nous ont dit que l'activité avait repris. Puis ici, comme il y a pas mal de représentants, d'ouvriers, tout ça. Du coup, tous les hôtels de Nevers, si on est sur le point de Nevers, tous les hôtels de Nevers sont complets en permanence. Alors du coup, on a eu gros coup de chance et franchement, pas déçu parce que une chambre, du coup, avec nous, on a dormi ici, lit de place. Celui-ci, il n'a pas été utilisé. Et en fin de compte, comme c'est une chambre parentale, hop, il y a une autre chambre, voilà. Il y a une autre chambre avec un lit superposé. On avait mis le lit de Choubidou ici. Et les grands, on leur a pris la chambre d'à côté, enfin avec trois lits. Voilà, ils avaient leur indépendance. Ils étaient tout tranquilles. Allez, je vais aller voir si les grands sont finis. On charge la voiture et on y va. Le car il est assez tard, mais voilà, on voulait rouler un petit peu. On est à 99 km du puits. On voulait, mais voilà, pause repas au bord de la route. On a galéré pour trouver une aire de repos avec de l'ombre. Donc voilà, on est installé là en mode ZD ou presque. Hein. Évidemment, j'ai toujours mes gobelets en plastique, mais c'est en cours, mes chéris, c'est en cours. On a les assiettes en inox. Et oui, donc voilà, le pot de pâté, le fromage qui va bien, chérier dans la voiture, c'est. Échappé, bref, ouais, c'est un peu bruyant hein. Par contre, c'est pas, bah, vous voyez les voitures qui passent, on est vraiment au bord de l'autoroute hein. Donc, mais ouais, voilà, 99 km il reste. Donc voilà, après on arrive là-bas, on va à l'hôtel avant de poser les affaires hein. Ouais, on va poser nos affaires et puis après on ira se balader, voilà. Et ouais, comme je vous disais, on verra les copains que demain, parce que voilà, on va leur foutre la paix aujourd'hui, parce que pour la petite anecdote, ils viennent d'acheter une maison sur le puits. Et ils sont dans les cartons. Donc voilà. Donc on leur fout la paix aujourd'hui. C'est balade et puis on les retrouve demain. Bon allez, du coup on mange. Hein, on mange. Et puis je vous reprends après. Bon allez, il est 17h, on est arrivé il y a environ une demi-heure, on a déjà pris les chambres à elle ou derrière, avec son masque. C'est ça.
On a pris les chambres il y a une bonne demi-heure de ça. Là, je vais aller chercher deux lits pour Choubidou, le restant des bagages, parce que le monsieur nous a conseillé de rester là où on était garé, parce que comme on est en ville, au niveau place de parking, c'est un peu chaud. Voilà. Ouais, mais là, avec le camion, on va passer, c'est chaud. On va le laisser en bas. Donc, on va le risquer. Programme, du coup, là, on a dit qu'on restait jusqu'à grosso modo 19h dans la chambre. Comme ça, on se pose un peu. Je sais pas si vous avez entendu correctement avec le vent. Jusqu'à 19h dans la chambre, comme ça on se pose un petit coup avec, avec la chaleur, on est franchement claqué là. Et les chambres sont grandes. Les chambres sont bien. Ouais, ouais. Dans la chambre des grands, ils ont un balcon, ils ont un balcon et puis ils ont une baignoire. Alors, du coup, Ophélie, on va faire couler un petit bain pour Ophélie, ça va lui faire du bien. Là, on va aller chercher les bagages. Oui, et puis je vous disais donc que du coup, ce soir, on part à 19h. On a 3 minutes à pied du centre-ville. Du coup, on va aller manger en ville ce soir et on a nos amis qui nous rejoignent, qui viennent avec nous. Enfin, on s'est donné rendez-vous, mais putain, je suis arrivé, on se retrouve. C'est le bordel. En plus, ils se foutent de moi. Du coup, on se retrouve ce soir à la tombée de la nuit parce qu'en fin de compte, il y a. Alors, j'ai pas compris, c'est un jeu de lumière, c'est ça, Sarah Luna? Ouais. Ça s'appelle le puits en lumière. En fin de compte, ils font un peu comme à Lyon, ils mettent des lumières sur les façades des immeubles, des maisons, tout ça. C'est un spectacle. Et c'est un peu comme un son lumière, ça a l'air d'être sympa. Alors, du coup, on va faire un petit tour en ville ce soir. C'est pour ça qu'on va manger assez tard et puis qu'on y va qu'à 19h, comme ça, temps de manger, temps de se donner rendez-vous. 20h, même 20h. Comme ça, on peut se poser, on va être tranquille et puis on va visiter un petit peu la ville. Voilà le programme de ce soir. Après, demain matin, comme ça, on fera certainement un autre vlog, peut-être. Je ne sais pas trop comment on va gérer. Si jamais, demain matin, comme ça, on pourra aller se balader en ville. Si on voit 2-3 magasins qui nous plaisent, on pourra aller se balader en ville. Ou alors, on voulait visiter, parce que pareil, je voulais qu'on aille visiter là-haut. Je ne sais pas si on peut y aller à pied ou pas. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, je vais vous faire voir de l'autre. Là, en fin de compte, ça c'est le monument d'ici et j'aurais bien voulu aller le voir. Et je sais qu'il y a aussi la cathédrale. Là, on est derrière l'hôtel. Hein. Et puis, je sais qu'on a la cathédrale. Ah bah oui, on est là. Et la cathédrale, j'aurais voulu aller la visiter. Alors, ou alors demain matin, on fait ça. À mon avis, on peut y aller à pied. On a un plan de la ville qu'ils nous ont donné à la réception. Et puis ça, j'aurais bien voulu aller visiter. Ça va être assez sympa. Parce que c'est vrai qu'ici, on est au pied des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors du coup, c'est c'est pas mal pèlerinage tout ça. Mais ça, j'aurais bien voulu aller voir. Ça va être sympa. Voilà. Sarah est en train de se foutre de moi derrière mon dos. Clairement. Oui, bah regarde, il y a Paulino qui est là. Ouais. Je te vois. Allez, je file de blablater. On fait ça. Et puis oui, il faut qu'on aille chercher. Juste quelques 2-3 canettes pour boire parce qu'on crève la soif. Puis maman voulait quelque chose de frais et la machine à l'hôtel est hors service. Bah, on va aller en face, il y a la guerre en face. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, 21h20, c'est parti. On est tout prêt. Petite sortie du soir en vacances en plus. On va rejoindre nos amis pour aller voir les illuminations. La fête des lumières de Puy-en-Velay. Bon, on y va à pied, hein, parce qu'on est qu'à 10 minutes à pied du centre-ville. Sauf qu'il est 21h20 et on avait rendez-vous à 21h. Non, on sait pas. Oui, mais il dit 21h à la base. On aura une demi-heure de retard. Avec 6 enfants, ça fait 5 minutes par enfant. On est bon. Ça fait une bonne moyenne. Hein, on est pas mal du tout. Ouais, homéophilie est court. Allez, dans la descente. T'as dit qu'on était en retard. Allez, dans la descente et après elle va rouspider avec le stabilisateur qui n'arrive pas à stabiliser. Attention les filles, elles passent à suite, droite, gauche. C'est bon, allez. Choubi, on a triché. Par contre, avance moins vite mon cœur. Parce que autrement, je peux pas le filmer. Voilà. Il est dans la poussette, mais il est naze. Il n'a pas dormi. Nous, en toute honnêteté, on a réussi à se poser une demi-heure. Moi, j'étais complètement en HS, mais KO, c'est KO. Et on a réussi à se poser une demi-heure, mais lui, non, on l'a mis dans son lit et on se rend compte que là, il n'a rien dormi. Qu'est-ce que j'aime pas avec le masque? Ouais, mais là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, masque obligatoire. Là, c'est pas encore obligatoire dans Puy-en-Velay, je crois, mais nous, ça sera masque d'office. Hein. And it's the ocean, known to fish with the tiny boat. Every day, out there on the water, the life keeps on moving slow. These are still. À peine descendu, on a déjà de l'animation.
C'est vrai que ça nous change nos campagnes, c'est assez vivant, les terrasses sont pleines. C'est la ville, hein. C'est la ville, hein. Allez, on a dit qu'on remontait par les petites rues, normalement, pour rejoindre notre ami. Bon, le masque n'est pas obligatoire, on dit. Non, alors, à mon avis, je sais pas si on va le garder ou pas, on verra. On va voir un petit peu une sensation de sécurité par rapport aux autres gens, voir un oui, petit peu cette affaire. Tant qu'on respecte ouais. La distance. Quand il y a la foule, à mon avis, on va le garder. Les filles, pour l'instant, ils disent rien, du coup, ils vont le garder d'office. Et nous, on va essayer de le gérer comme ça. T'es sûr que c'est par là? Oui, normalement. Ah, mais là, c'est une petite rue et tout. Ah, mais il y a un immeuble orange. Je dis oui. On monte par les petites rues. On monte par les petites rues. C'est bon, on les a retrouvés. Voilà. Là, ça commence à courir. C'est bon. Allez, je vous reprends plus tard. Une chauffeur qui fait des bras, c'est bon, c'est elle. Allez, à plus tard. Le prix, c'est rare. Par contre, là, j'ai deux stabilisateurs. Ah ouais? Ouais, non, parce qu'elle sent le stabilisateur, elle sent la misère. Ouais, mais les photos, elles sont dégueulasses. C'est pas mon fils. Il dort à moitié. Il y a des zombies, des momies. Le moonwalk. Dans l'autre jour, j'avais pas mes lunettes. C'est super joli. Hein. C'est qui? On avait pas
Allez, presque 23h, on continue notre périple. C'est sympa, hein? Ouais, c'est sympa, ouais. Une bonne température, parce qu'il y a encore les... Enfin, les bras nus, et juste les filles ont mis des gilets. Oh, les petites chèvres. Oh, ils attendent le bouc. On est dans le parc, en face du musée du Crozatier. Ouais, et c'est super sympa, franchement. Là, on va voir encore, je crois, une illumination. Devant le théâtre, je sais pas quoi. Le théâtre, oui, voilà, ouais. Au théâtre. Et après, on se rentre à l'hôtel, parce que là, on en coûte. Voilà. Franchement, on achète. On achète. Demain, je fais la ville en tongs. Voilà, et demain matin, comme ça, on se lève de bonne heure et on fait la ville, on va visiter la ville. Allez, je vous reprends plus tard, on nous voit plus. Allez, dernière illumination de la soirée. Devant le théâtre. C'est devant le théâtre, hein, c'est ça? Ouais, c'est devant le théâtre. Ah, c'est plus la thématique du cirque. Bah, c'est en rapport avec le bruit de bâtiment, ça. Du côté, celui-là, bah, ça fait bien sur le côté, pour eux, c'est que alors qu'il y en a qu'un seul. Ah, ça montre bien. Non, déjà, c'est juste que tu veux, là, il est décalé pour voir en fond. C'est pour ça que ça y arrive, de l'autre côté, ça va être de l'ombre. De l'autre côté, il n'y a pas. Papa, on n'est pas du meurtre à supporter ça, non. On va arrêter de filmer les si on l'a. Ouais, je suis pas d'humeur. De toute façon, là, on va rentrer, parce qu'il est tard. Attention à ton Milou. C'est joli, en tout cas. Ouais, c'est super joli. Allez, go, on y va. Du coup, je crois qu'il est temps qu'on arrête. Ah oui, les enfants sont épuisés. On va arrêter, on va rentrer. Les parents vont pas mieux. Ouais, on va rentrer et puis on va... Mais Lou, comment l'a dit? Je suis plus d'humeur, c'est ça? Je suis plus d'humeur. Je suis plus d'humeur à supporter ça. Bon, allez, on rentre. Hein? On y va? Allez, on va à la chambre d'hôtel. On arrête ce vlog là pour aujourd'hui? Oui, je pense qu'on va vous le faire sur plusieurs jours. On va peut-être faire un vlog puis on volait, peut-être. On est là jusqu'à samedi matin. On vloguera encore demain et puis samedi matin. Ça fera un gros vlog, mais c'est plus facile pour moi pour gérer. Voilà. Puis j'ai un petit peu la flemme de monter ce vlog là ce soir. Oui, puis comme ça, tu pourras le monter sur la route quand on va redescendre dans le sud. Oui, sachant que samedi, après, on prend un gîte. Ouais. C'est plus facile pour moi au gîte de le monter que de là le faire dans la chambre d'hôtel. Parce que cette chambre d'hôtel là, elle est quand même plus petite que la précédente. Oui, elle est moins top. Que nos ados, ils ont une baignoire. Ouais, demain. Tu l'auras pas dit? Demain, prends une baignoire. Demain. De toute façon, je vous filmerai les chambres. Je prends pas une baignoire, je prends un bain. Tu prends un bain. Je suis fatigué. On est fatigué. Comme ça, on vous fait tout ça demain, puis on vous fera visiter en même temps les chambres. Mais la nôtre, c'est un peu difficile. Et là, ça va être un des derniers vlogs qu'on va filmer comme ça. On va acheter un stabilisateur parce que c'est l'horreur. On voit qu'on a du mal. Hein. Il va falloir qu'on se modernise. On fait toute l'équipe parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés. YouTube, il faut qu'on s'équipe. Ouais, c'est ça qui est cool. Allez, go. Du coup, on ferme cette journée-là. Coucou, allez, deuxième jour sur le puits en volet. Il est hyper tard. 8h30 du matin. Comme prévu, on s'en va en ville. Les menteurs et les plus de 11h. Donc ouais, on a bien dormi. Ouais, on a bien dormi, hein, par contre. On a tellement bien dormi qu'on s'est loupé ce matin. Bon, en même temps, on n'avait pas mis de réveil. Mais le petit a dormi jusqu'à 9h. Célestin, il a tellement pas dormi hier que 9h, il dormait toujours. Bah, déjà, hier soir, quand on l'a couché, on l'a pris de la poussette, on l'a posé dans le lit. Il a même pas bougé, même pas pris la tétine, rien du tout. Même pas. Donc c'était il s'est écroulé. Donc ouais, tout le monde a bien dormi, donc ce matin on a traîné, les ados encore plus que nous. C'est pas étonnant. Les ados, ah les ados, hein, t'as traîné encore plus que nous. Non. Bref, c'est les vacances. Donc là on va en ville, on va visiter le puits en volet de jour, parce que c'est vrai qu'hier soir de nuit on n'a pas vu grand chose. Donc là le but, on aimerait vraiment. C'est d'office on va à la cathédrale, ça là tu voilà, parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que vous savez qu'on est croyants, on pratique pas par contre, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on croit et moi encore plus que Teddy. Donc voilà, il y a des choses qui sont arrivées dans cette cathédrale et voilà. Et puis moi j'ai besoin d'y aller en ce moment, donc voilà. Et si on a le temps, on aimerait vraiment bien
monter à Notre-Dame, c'est ça? Monter sur Notre-Dame, monter au rocher et limite aller dans la statue. Ça serait bien, parce que je sais pas, Dalila, dès qu'on pouvait monter à l'intérieur. Oui, mais les petits, ils peuvent pas monter. Bon, après, voilà, avec les petits, on va voir un peu ce qui est faisable ou pas. Donc, on va voir, mais de toute façon, on continue. Et puis, je vous montre tout ça. Allez, on continue notre petite escapade. Je viens de m'arrêter dans une boutique. Les enfants n'étaient pas très contents, mais je les ai fait varoter un quart d'heure. Pour une fois, c'est pour moi. Je vous montrerai. Je me suis trouvé une petite robe un peu style orientale, africaine. Enfin, voilà. Bollywood. Comme notre chambre. Non, Bollywood, c'est pas trop ça. Hindou. Ouais, enfin, bref, je vous montrerai. Je vous ferai un petit essayage tout à l'heure. Avec des avec des nouvelles boucles d'oreilles qui vont bien. Voilà, petit craquage qui fait du bien. Oui. Et puis là, on est en train de monter les marches qu'au puits il faut monter hein. De toute façon d'office voilà la ville est en côte. C'est les padanes aussi ça, ils appellent les padanes. Ouais, ça s'appelle les marches des ânes. Parce que les ânes, le fait que c'est tout en galet comme ça, c'est. Non, et puis c'est les ânes crochent bien au niveau du sabot. Et la hauteur des marches ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc là on va à la cathédrale. Non, je suis à la bourre, mais c'est pas grave. Hein. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà, on vient de visiter la cathédrale. Oh, et les petites chumpas, elles sont excitées un petit peu. Je vous montre la vue quand même. Regardez la jolie vue qu'on a là. Voilà, bon, de toute façon. Après, ça sera moi. Donc là, du coup, on va continuer. Un peu, mais oui, c'est pas évident parce que les enfants ont faim. Même si on a bien déjeuné ce matin, mais il va falloir essayer de faire plaisir à tout le monde. Allez, on arrive à la statue de Notre-Dame, comme je vous disais, vous voyez. On peut la visiter. Il y a des escaliers à l'intérieur qui font qu'on peut la gravir. Regardez comme elle est belle. Bon, on n'est pas arrivé en haut. Allez, let's go, c'est parti. Choubi est décidé à marcher. Petit cœur. Hein, après tout, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Ouais, petit truc. À mon avis, arrivé à un moment. Oui. Quand tu nous vois tout là-haut, à mon avis, il va vite arriver. Clair, ah ouais. Et du coup, alors c'est payant, mais c'est franchement pas excessif. Hein, parce que c'est 4€ pour les adultes. C'est gratuit pour les moins de 6 ans et c'est 2€ pour les enfants entre 6 ans et 18 ans en fait. Donc là on est pour 16€, c'est ça? 16€, donc voilà, c'est pas non plus voilà. Bon après nous on a pris que l'accès à la statue, ce qui est déjà pas mal parce qu'une fois qu'on aura tout monté avec les 6, ça sera déjà bien. Après je crois qu'il y a un musée, il y a d'autres trucs à voir. Non, c'est un pack 4 musées, enfin, dans toute la ville. Et là du coup tu payes moins cher. Ah oui, ok, je croyais que c'était des choses à voir là-haut. Non.
Donc voilà, on va faire ça déjà. Bon, Choubidou a trouvé mes épaules. Non, pas trop pour monter ça avec la poussette. C'est juste impossible. Bon, après, il a déjà monté tout ce qui est derrière. Voilà, il n'y a pas d'escalier, mais il a réussi à le monter. Alors, du coup, là, c'est opération. On plie la poussette et on monte. Par contre, il y a juste une vue, magnifique. On va vous la faire voir tout à l'heure, mais il y a juste une vue magnifique de là. Allez, arrête de me taper sur la tête, toi. En plus, il est en train de muser les cheveux là derrière. Regarde. Non, non, non. Oh, frotte pas les cheveux, j'ai plus rien à voir. Oh, Choubi, j'ai plus rien à te cheveux après. Allez, je vous laisse parce qu'il est en train de filmer puis monter les marches. C'est un peu dangereux. Hein. Allez, on a monté une première partie. Luca, Luca, Luca. On y est presque. Elle est là. On y va, on y va. Ça, c'est foulant par contre là-haut. Bon, c'est pas plus mal parce qu'il fait très très chaud. Mais il y a du vent. Et ça monte toujours, évidemment. Évidemment, évidemment. Et voilà, on est arrivé au pied de la statue. On est derrière. Et on a une magnifique vue. Regardez comme c'est beau. Oui, vous voyez le terrain de foot. Regarde, il y a un terrain de foot. Oui, mais ils se sont, ils sont pas les gars. Bon, ils se cassent. On est arrivé en haut de la statue. Et après, voilà, là, la dernière étape, c'est de prendre la toute petite échelle. J'ai trop peur, je tremble. Pour aller là-haut, ouais, bah oui. C'est la famille qui a le vertige. Teddy, il est redescendu avec Célestin, parce que bah, déjà Teddy a le vertige, donc voilà. Mais les filles, vous descendez pas toutes seules, vous nous attendez là. Avec les filles, c'est compliqué. Vous remontez tout de suite. Enfin, Maïlou, tu remontes. Tu te mets là sur le côté, parce que c'est assez exigu, hein, comme vous voyez. Voilà, là, on est. Là, on est dans un étage qui est tout, tout petit en fait. Tout, tout petit. Donc, voilà. Je suis dans la coupole. Donc, on voit pas grand chose. Hein, mais non, la vitre, elle est usée et tout. Donc, voilà. Puis l'échelle, c'est pas très, très stable. Donc, je vais pas tarder. Il y a du monde qui attend derrière. Donc, voilà. Mais on l'a fait. On est monté en haut de la statue. Allez-y. Allez, ça y est. On est arrivé à Bonport. C'est sportif, c'est sportif. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est un escalier tout minuscule, donc à un seul sens. Et s'il y a des gens qui veulent monter pendant que vous descendez, il faut faire demi-tour et tout. Et il y a des étages dans la statue, mais qui sont minuscules. Donc vous avez juste un tout petit arc de cercle pour stationner. Mais c'est pas évident. Et en plus, c'est tout bête, hein, mais avec ça, là, c'est étouffant, c'est très... Enfin, il y a un côté un peu, pas insupportable, mais compliqué à gérer avec des enfants, en fait. Donc voilà, et surtout l'escalier avec des enfants, c'est pas, voilà, faut pas y aller avec des tout petits. Teddy, il a renoncé. Bon, après, peut-être que ça l'a rangé. Donc, ça t'a rangé de renoncer? Non, mais avec le petit, on peut. Ouais, c'est pas évident. Tu veux y aller? Non. Non. Bah, la coupole, le problème, c'est que là-haut, ouais, c'est tout. Elle est toute abîmée par le temps et tout ça, donc on voit pas grand chose. Et puis comme c'est une échelle, de toute façon on peut pas monter 36. On peut pas monter les dernières marches si on n'a rien pour prendre appui. Donc on peut pas vraiment avoir la vue à 360. Si on se contorsionne, on se pète le dos et on tombe de l'échelle. Donc c'est pas trop le but. Hein. Donc voilà. Oui, donc là ouais, comme disait, on traîne pas. On va y aller. Mais ouais, en tout cas, voilà, on est monté. À cette merveilleuse statue, je sais pas si vous voyez avec le soleil, mais oui, je sais pas si de l'autre côté on va la voir de face. Non, on va faire le tour alors. Voilà la belle. Regardez ça. Ça fait bizarre d'être tout petit en bas. Elle est magnifique cette statue, vraiment. Tu me prends la photo pour le lien. Sainte Regina. Allez, c'est bon du coup, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Ah, c'est dans un micro aussi, monsieur Beaufour. C'est dans un micro aussi, monsieur Beaufour, qu'on investisse parce qu'avec le vent,
je suis pas sûre que vous allez beaucoup m'entendre. Micro stabilisateur, c'est urgent. Bref, on a fini la statue. Là, on va redescendre tranquillement en ville. On va aller manger. On va se faire un petit resto où on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Il y a l'embarras du choix ici. C'est une ville tellement touristique qu'il y a largement quoi faire. Et tous les prix, c'est franchement sympa. Là, il y a là, on est devant la petite fontaine qui est en bas des marches. En fait, juste en bas des marches que vous voyez là-bas. De quoi se rafraîchir un peu. Et puis voilà, et puis on y va. Allez. Chacun le sien. Il y a du panini, il y a du hot dog, il y a du pain bagna pour chérie. Panini, 3 fromages pour moi. Puis après on ira se payer une petite glace. Allez, on fait un petit tour en ville. Même si très honnêtement, c'est pas trop d'autres trucs. La ville est magnifique, ça là-dessus, c'est indéniable. Je crois que c'est un hôtel, là, le Regina, il est superbe. Allez, petite pause goûter. Bon, ça fait quoi? Ça fait juste 2h30 qu'on a fini de manger. Même pas, même pas. Enfin, on est revenu au même endroit, enfin, qu'on se rappelle, ça est tellement sympa. Et c'est là qu'il y a tous les restaurants, puis qu'on a trouvé un glacier justement pour manger à glace. Et voilà. On va rentrer, je crois. Ouais, je crois que là on va se poser un coup à l'hôtel, hein, parce que là on est. C'est quand même pas mal de fois la ville, tout ça, et on va. On a la fatigue qui tombe quand même. Ouais, et demain on va aller faire le marché. Hein ? Voilà, dès qu'on est rentré à l'hôtel. Elles ont peur. Dès qu'on rentre à l'hôtel. Il y en a un qui est déjà. Maman, ah. Regarde. Voilà. Il y en a un, il en peut plus, il est déjà écrasé depuis tout à l'heure. Bon, allez, je m'en occupe. 17h, on est devant l'hôtel. Là, on n'en peut plus. On déclare forfait, on n'en peut plus. On va se poser un coup. Parce que là, on va marche, essayer. Voilà, on marche depuis ce matin, 10-11h. 11h. Et on n'a pas arrêté de la journée. Du coup, là, voilà. Normalement, il y a notre ami qui devrait nous appeler. Parce qu'en fin de compte, ils ont déménagé il n'y a pas longtemps, ces derniers jours. Et du coup, comme ils avaient pris de retard. C'était un peu compliqué pour eux, alors du coup normalement elle doit nous appeler dans la journée, mais sans... On les a vus hier soir, à mon avis on va les avoir vus que hier soir. Bon, donc on les a vus hier soir, mais bon, nous, ça nous a permis de visiter la ville. Oui. On a fait de belles visites. Ah, c'est comme ça, demain matin on redécolle. Voilà, là on se repose un petit coup. On a fait plus de 10 000 pas, on a mis son appui. À midi on a fait 10 000 pas. Ah, à midi. À midi. Ah bah il était 7h. Ah bah je sais, mais oui, mais je sais. Ah oui. Oh la vache, ah, c'est pour ça qu'on est fatigué. Ouais, voilà. On a fait pas mal de palards. Tu t'expliques. Du coup là on va se poser un petit coup. Après ce soir du coup je ne sais pas trop comment on va manger. Alors, on va voir. Ça dépend si la copine nous appelle ou pas. Si la copine nous appelle, bah, on mangera avec eux. Si jamais, je sais pas, j'irai peut-être chercher des pizzas ou des trucs comme ça. Il y a des pizzas yolo. En fait il est temps qu'on prenne notre gîte et tout parce que là on mange beaucoup des sandwichs, des trucs. Ouais, on mange mal. On se pose. Ouais, et puis qu'on se pose. Puis c'est budget aussi après. Hein. Ouais, après, ouais, c'est. Ça, putain, ce midi, on a encore pris tout ce qui est espèce de sandwich et tout, mais. Après, sinon, les menus, c'est à 14,90€ fois 7. Enfin, sans la boisson. Sans la boisson. Là, c'est rien, grosso modo, à 10€ à chaque fois par tête, mais c'est vrai que. C'est déjà un gros budget déjà, voilà. Mais après, au resto, on peut pas à chaque fois. Là, au gîte, à partir de demain, ça va être plus facile. On va manger normalement. Puis même pour nous, pour manger normalement, c'est quand même mieux. Bon, allez, on va se poser, puis on vous reprend plus tard. Il est 19h45. 45. On va chez les copains pour dîner ce soir. On fait un truc. Ouais, on fait un apéro dînatoire, un truc vite fait. Juste pour nous, faire une dernière soirée ensemble. S'il te plaît. Et puis voilà, donc je sais pas si on vloguera dans la soirée, au pire des cas on vloguera en revenant. Mais voilà, oui, là, Pauline descend des têtes parce qu'on est garé. Et puis on est collé quoi. En montée, on voit pas les bagnoles arriver. Bref, Pauline est partie guider. Normalement c'est bon. T'es dit. Attends. Et voiture à l'ombre, 36,4 degrés. Ça cogne à l'ombre. Ouais, à l'ombre, en gros. Ça cogne aujourd'hui. Bref, du coup, je vous laisse là et puis je vous rends tout à l'heure. Allez, samedi matin, nouvelle journée pour nous. On est en train de finir de préparer toutes les valises. La programme du jour, on va charger le camion. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, j'aurai bien qu'il soit chargé. Et après, on file, juste avant de partir, on file au marché. En puis on volait, on va retrouver notre ami là-bas. On va faire un petit tour sur le marché, parce qu'il paraît qu'il est magnifique. Il y a pas mal de producteurs locaux aussi. Du coup, on va aller faire un petit tour en marché. Et après, on va prendre la route direction le nouveau gîte. Voilà, on va nous...
Ophélie est en train de finir de prendre sa douche. Et ça y est, on vient d'arriver au marché. Et pour la petite anecdote, chez nous on dit avoir le cul bordé de nouilles. On a pris le risque de prendre le camion alors que c'est à deux minutes de l'hôtel. Je savais pas que c'était aussi grand. Voilà, on n'avait pas conscience que c'était si grand, mais c'est vraiment vraiment immense. Et Teddy, le grand chanceux, a trouvé une place en 2 secondes. Bref, ça c'est tout papa. Hein. Donc voilà, donc ils sont déjà en train de fureter sur le marché. Le but c'est d'acheter à manger. Hein, voilà. Fashion victime. Elle est pas belle ? Moi, je elle est stylée celle-là. Elle est jolie. Mais c'est pas le but d'acheter des fringues aujourd'hui. Enfin bon, après on verra. Allez, zou. Oui, c'est vrai qu'il y a la rentrée qui arrive, c'est vrai. Bon, allez, allez, bim. Ça, c'est son mot, ça, allez, bim. Bon, allez, on continue. Bah, tu veux tourner là? Ouais. On vient juste d'aller chercher des petits légumes. On a pris des haricots frais juste derrière en bio, des pommes de terre, une petite échalote. On va se faire une petite poêlée ce soir, mon ami, on va se régaler. On a pris des melons également et c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Mais c'est assez sympa, mais avec les enfants, c'est assez chaud quand même. Hein. Si, ça le fait, mais là, c'est parce qu'il faut y passer. Allez, on continue. Bon allez, on vient d'acheter aussi les lentilles juste derrière, les lentilles de la capitale de la lentille, hein, lentilles bio en plus, et dans des sachets en tissu. Bah, par contre là, vous voyez, du monde de partout, c'est un truc de fou quoi. Et il y a plein de petits producteurs à mon avis, il y a du fromage, à mon avis il y a pas mal de choses à avoir. Hein. La viande d'autruche. On a fait une partie de notre marché, on a notre ami qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Donc en attendant, ces petites pauses café, comme on le fait d'habitude avec Ted, sauf que là, on est avec nos loups, donc on profite avec. Et voilà, petit diable, non, t'as pris quoi toi, Mentalo, c'est ça? Petit chocolat chaud, grenadine, et voilà. Ça c'est des moments qu'on adore ça, avec nos loulous. Et puis Choubi, lui, il a un bonus. Parce que. Pour l'occuper les mains. Parce que sinon, c'est compliqué avec Célestin. Donc, il a un petit bonus, il a un truc à grignoter. Bon, après, il a pas beaucoup déjeuné ce matin. Donc, voilà, lui, il a la petite viennoiserie. Allez, il est midi passé. Midi un quart. On a fini notre petit tour de marché. On a vu nos amis. On a pris notre café. On a pris des photos. Et il commence à faire super, bah à 30 degrés, ça va encore. Ça va encore. Ressenti, ouais, ça va ressenti, c'est il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Voilà, du coup, on va clôturer ce vlog aussi, parce que là, on va sur l'autre. C'était un vlog spécial puits en volet. Voilà, comme ça, là, on va à l'autre destination. À chaque fois que tu parles, et puis que machin, je te dis, et voilà, à chaque fois. Tu as remarqué? Oui, c'est possible. On dit souvent, et voilà. Et voilà. Bref. Bref. Non, c'est nul. Bref. C'est bon, on dit souvent, bref. Bon. Après, du coup, on va clôturer ce vlog parce que là, on va aller direction Ganges. Les Ganges en Ardèche. Ardèche, oui, c'est Ardèche. On est toujours en Ardèche. Non, on est beaucoup plus bas. On est à une heure de Vallon-Pont-d'Arc. Mais il y a plein de petites rivières, tout ça. On fera un autre vlog du coup là-bas. On va clôturer celui-ci. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et
Mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'il y a un nouveau vlog, vous êtes prévenu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Oui, Insta, sur Insta, le sur Insta, tien, le mien, ouais, le leur. Voilà. Le mien. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao. Salut.